Eh bien salut tout le monde, c'est Diem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo information sur GTA 5 Online en 1.45. Donc pour cette vidéo les gars, ça sera tout simplement pour parler du DLC Halloween. Donc pour ce DLC Halloween les gars, vous avez eu la preuve donc dans mon ancienne vidéo où j'ai dit que ce DLC ne sortira pas à cause tout simplement de Red Dead Redemption 2. Donc une petite parenthèse, j'ai lancé les commentaires du jour. Donc chaque vidéo, il y aura un commentaire du jour. Donc de ma précédente vidéo, donc ça sera que des commentaires bien sûr, je vais mettre un commentaire négatif, voilà. Donc alors les gars, pour ce DLC Halloween, je vous montre la preuve à l'écran que tout simplement il n'y a pas le DLC Halloween le 28, donc peut-être qu'il y sera plus tard, mais là en tout cas il n'y est pas, donc j'avais bien raison. Donc pour ceux qui disent qu'il était programmé pour le 28 octobre, bah c'était faux, et je suis même sûr qu'il ne sortira pas. Je suis sûr à 90% que ce DLC ne sortira pas. Donc je vais redire pourquoi, tout simplement parce que ce DLC n'a pas été affirmé et confirmé tout simplement par Rockstar. Ok, peut-être si des modeurs ont trouvé sur les fichiers du jeu que le DLC est programmé, bah il n'y est pas. La preuve, il n'y a pas eu d'informations ni rien, même pas dans le jeu, dans les suivis d'actualité, quand ça commence à... Quand vous lancez tout simplement GTA 5 et que vous avez toutes les actualités qui défilent, vous voyez tout simplement par vous-même qu'il n'y a eu aucune annonce du DLC Halloween. Pourtant, le DLC, chaque DLC sont confirmés et même ils en parlent une semaine voire deux semaines à l'avance de partout, non, sur même jeu actu où il y a toutes les informations sur GTA 5, même eux ils n'en parlent pas. Donc voilà les gars, donc moi je vous dis la cause, c'est à cause de Red Dead Redemption 2. Ils ont plutôt préféré favoriser ce jeu, la pub pour ce jeu qui apparemment ont travaillé dessus pendant 7 ans. Bref, je vais vous montrer quelques screens à l'écran. Donc je vous montre les screens à l'écran de toutes les personnes tout simplement qui m'ont dit oui, le DLC va sortir le 28, etc. Il n'est pas sorti. Et donc je vous le montre. Donc peut-être que vous avez raison, je me suis trompé sur la sortie de Red Dead Redemption 2, mais je me suis sûrement pas trompé sur la raison pourquoi le DLC Halloween ne sortira pas. Même pour vous dire, des Américains, et vous pouvez aller vous voir par vous-même sur YouTube, comme quoi ils ont dit que le DLC ne sera pas ce jour-là et qu'il ne sera sans doute pas présent cette année. Donc voilà les gars, donc c'est assez dommage je trouve, parce que même moi j'ai pas pu en profiter comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, et j'aurais bien aimé en profiter. Mais bon, on espère qu'il sortira dans les jours à venir, donc avant le 31 ça serait cool pour pouvoir profiter, ou le 31 le jour même. Mais en tout cas, pour l'instant les gars, comme je vous l'ai dit, le DLC n'est pas sorti. Et donc à toutes les mauvaises langues qui disent ça, bah vous avez eu la preuve que ce DLC n'est pas sorti. Et puis voilà, donc moi les gars je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, merci encore pour les 3280 abonnés, ça me fait super plaisir, on tente vite les 3300. Moi les gars je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye tout le monde.